Et yo tout le monde, c'est le Votu, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le défi pardon, spécial, mais qui en contient 4. On a le défi l'accélération, le défi double élixir, le défi triple élixir, le défi élixir illimité. Enfin, c'est pas vraiment illimité, c'est x7, vous commencez à connaître. On va jouer pour ça le golem clone. Ça faisait longtemps que je voulais le rejouer pour m'amuser. Je me suis dit, ça peut être l'occasion. Je pense honnêtement que c'est un des meilleurs decks. Il n'y a pas un deck OP, je pense, pour ce genre de défi. Mais un bon deck bourrin comme ça, vous voyez que ça peut faire le taf. On a mis énormément 3 couronnes. On a fait une petite boulette, bon voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. Le mec avait sorcier, prince, enfin il avait tout contre le clone, au bout d'un moment je pouvais pas, et c'est même pas ça qui m'a gêné, c'était vraiment sa machine volante, mais vous voyez que à part ça, on a mis quasiment full 3 couronnes, et j'étais vraiment, genre je jouais comme ça, hein. C'est limite je jouais avec mes pieds, donc vous allez voir la puissance du deck, on est toujours sur la même version, moi je préfère jouer Baby Dragon, je préfère jouer Fuyeux Squelette, il y en a beaucoup qui jouent avec les chauves-souris, je trouve qu'on a déjà assez de chauves-souris avec la sorcière la nuit, donc ça sert à rien d'en rajouter plus, et comme ça, ça permet de cycler un peu mieux dans le deck. Pardon. Avant que la vidéo commence, on n'hésite surtout pas à s'abonner. Hein. Toujours les 50% non abonnés, les gars. Je compte sur vous pour me faire péter les 50 000. On met le petit pouce bleu. Et nous, on est parti directement dans le défi triple élixir. Ça va être encore mieux que les deux premiers. Puisqu'on n'était pas complètement en x3. Là, c'est vrai que ça va être pas mal quand même. Ça va être plutôt pas mal. Pendant que je vous mets un petit peu le son. Ah yes, ça commence bien, j'aime bien quand ça fait ça là. Ah, attention. Il faudrait... Bah je réglerai le son. Ah ouais, mais là ça va vous exploser les oreilles, non? Ah, ça me l'a un peu fort. Bah le problème c'est que... Bah voilà, j'avais pas setup le son avant. Let's go. Bon écoutez, ça va être problématique. Mais c'est pas grave, on devrait se débrouiller. Ok, le bon petit clone. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ok, ça devrait défendre. C'est normal, on a pris pas mal de dégâts, mais c'est loin d'être perdu. Vous allez voir que dès qu'on va commencer à cloner un peu plus efficacement, ça va être plutôt pas mal. Regardez, hein. Là, je vais tout packer et je vous parle pas de tout pack. Hein. Ça va faire très mal. Hop, hop. Elle a bonne chance. Hein. Bonne chance pour me tester comme ça. Vas-y, lâche une foudre, juste pour voir. Ah ouais, qu'il y a les fléchasses, ouais, si tu veux, vous allez voir. Hein. On va remonter la game en 2-2 alors que j'ai AFK pendant la moitié de la première minute, quasiment. Hop là, ok, ok, pas mal. Ouais, attention quand même, on attend le petit centre fléchasse peut-être. Oh là 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 là, le carnage et la remontada. Attendez, je vais juste régler le son du coup. Là, ça me paraît pas mal. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Hop. On est parti du coup pour la deuxième game, pardon, j'ai pas eu le temps de vous expliquer grand chose du coup. Là contre ce genre de deck, quand vous avez pas de poison, pas de tornade, à part les flèches, faut faire un petit peu attention. Là c'est vraiment le schéma, on va dire, de jeu le plus simple. C'est juste vous posez le golem et vous bourrez tout. C'est exactement ce que j'ai fait, vous voyez que vous pouvez avoir perdu vos deux tours. Tant que vous arrivez à faire un gros push, c'est bon. Là où il faut faire plus attention, c'est par exemple s'il y a une boule de feu ou d'autres sorts dans ce style. Mais il casse les couilles tout ça, jouer ballon là. C'est un truc de ouf hein. Laissez-moi tranquille. Alors, est-ce qu'il a un sort ou pas? A priori, il a pas l'air d'avoir grand-chose. Du coup, on va remettre un deuxième golem, toujours au cas où il ait un petit sort. Là, on va pouvoir cloner. On a un double golem, pardon, plus l'armée de squelettes qui va arriver. Et là, c'est fini. Là, je peux vous le dire, la game est déjà pliée puisqu'il a pas l'air d'avoir de tornade. Et il va juste se faire découper. On a encore un golem qui est full life. Si ça pouvait juste, voilà, prendre la tour s'il vous plaît pour qu'on puisse débloquer tout ça. Hop, le clone qui est raté parce que j'ai pas touché la net Twitch, mais c'est pas trop grave. Et une fois que vous avez pris la tour, vous mettez armée de squelette corner et là c'est terminé. Il peut absolument pas défendre. Le fuyeux squelette aussi. C'est pour ça que je préfère le fuyeux squelette aux chauves-souris. C'est que quand c'est comme ça, vous êtes un petit peu en train de déborder votre adversaire sur les deux tours. Ça vous permet de remettre la pression. Tandis que des chauves-souris, bah ça se fait, enfin ça se défend assez facilement contrairement à... Et un fuyeux squelette je trouve. Et le 3 couronnes qui va tomber assez facilement. Malgré le petit ballon adverse. J'aurais peut-être dû commencer plus tôt. Hein, parce que là j'ai l'impression qu'on va vraiment speedrun le défi. Ça va être incroyable. Hein. Défi que je recommande toujours. Hein. Là vraiment c'est donné. C'est des jetons et de l'or gratos. Même si vous n'avez pas le pass royal. On n'oublie pas si vous voulez l'acheter. Code créateur Lemonty. Mais même si vous ne l'avez pas, c'est vraiment c'est gratuit. Hein. Très clairement. Ok, là par contre ça peut être intéressant. On peut essayer de trade les tours. Pourquoi? Parce qu'il vient de jouer la carte la plus chère. Bon, voilà. Voilà pourquoi on va partir de l'autre côté. Les frérots. Ah oui, ok, bon bah ça part. Qui va être le plus rapide? La réponse dans un instant.
On va essayer de cloner un petit peu tout ça. Est-ce qu'on peut être plus rapide que... Oh, faudrait un petit sort de... Oh, on va tout kite. On va essayer de kite un petit peu, mais je sais pas si ça peut défendre. Si on arrive à défendre, c'est incroyable. Oh là là là, si on arrive à défendre, regardez la squelette. On a réussi à tout kite au middle. On va même pouvoir partir de l'autre côté avec ce bûcheron, baby dragon, même sans golem. Regardez, c'est magnifique. Il a plus la tendance de rotation. Il est trop occupé à défendre la tour de droite. Et là, bam, on l'enchaîne. Lewis, ah, il a une bûche aussi. Ah oui, ah oui, il a un bon counter hein, là pour le coup. Ah ouais. Ah, ça va être tendu là. Il va falloir qu'on la joue stratégie. Comme ça. Bam. Ça c'est la strat les refs. Ouais, c'est pas très donc. Bah, attendez, parce que là il y a un PK qui va arriver sur ma tour. J'aime pas trop ça. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud de ouf. Le PK. Le PK. Ah, oh, le PK qui nous trois couronnes. Mais c'est quoi ce deck en face? C'est quoi ça? Oh là 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 là, il me chie d'où son deck là? Incroyable. Ah ouais, tornade, bûche, iwiz, archer magique, PK, je pense que bah, c'était le counter parfait. On aurait peut-être pu jouer un petit peu mieux. En fait, le problème, c'est que je pouvais pas stacker, en fait. Même si je partais à l'autre côté, il a recyclé un deuxième PK. Et du coup, ça m'a empêché un petit peu de faire mon jeu. Non, GG à lui. GG à lui, je pensais pas qu'il allait me 3 couronnes. C'est la première fois que je joue contre ce genre de deck. Mais je pense que ça se négocie. En vrai, c'est pas facile. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un seul meilleur deck pour ce genre de défi. Mais ça se négocie très clairement. Ok, pas mal. On a réussi à distraire un petit peu. Ah ouais, mais ici, je joue tous tornades. Ça va être plutôt relou. Ok, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cloner tout ça vu qu'il n'y a plus de tornades. Comme ça, voilà. Voilà, je comprends absolument rien à ce qui se passe. On peut peut-être envoyer des flèches pour finir ce petit truc là. Et derrière, petit ballon. Ah, oh, ça me gratte en plus les boutons de mystique là. C'est pas le moment. Ok, va tornade. On va mettre la sorcière la nuit plutôt loin. On attend la tornade. Voilà. Et ça sert à rien qu'on clone puisque demain il n'y a plus rien du tout. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Ah, ça va être dur. Hein. Là aussi, ça va être très très dur. On est vraiment sur les match-ups difficiles. Pour l'instant, ça va, on s'en sort pas trop mal. Je pense que je vais partir de l'autre côté. J'ai pas envie de jouer du même côté, encore une fois, à cause de son dragon Elec et de certaines choses. Regardez les chauves-souris hein, qui vont faire un bon travail. On va prendre la tour, je pense. On va essayer de cycler au maximum les anti-aériens là-dessus. L'armée de squelettes et tout, on peut oublier, je pense, très clairement. On va mettre ça pour protéger un petit peu du dragon de l'enfer. Hop, on fait spawner les chauves-souris le plus loin possible pour éviter que les tornades, enfin que la tornade pardon, prenne tout. Et on va mettre un petit golem défensif. Ok, il n'y a plus de tornade. Bam, ça part en clone. C'est pas trop mal. On a réussi à bloquer à droite. Ça devrait défendre. On va faire tomber la tour de gauche. Le mineur qui va être intercepté ce coup-ci avec l'armée de squelette. Les petites fléchasses pour finir. Et normalement, ça devrait être bon. Là, pour le coup, voilà, c'est exactement comme ça que vous devez jouer contre un counter. Essayez d'alterner. Si possible, ne pas jouer du même côté que lui. Vous voyez que j'avais beaucoup de mal à passer. J'ai réussi quand même à faire quelques values. Après, je suis parti à l'opposé. Ça s'est beaucoup mieux passé. Et après un petit peu, en fait c'est ça, vous faites un push à l'opposé, vous rattrapez un deuxième push et là bam, vous arrivez sur le périph, tout droit, trois couronnes et ça part. Ça part tranquillement, on est sur la dernière game du x3 elixir et après on s'attaque au x7. x7, je sais pas, je vous avoue que je suis un peu sceptique pour le golem clone en x7, on verra bien. Hein. Parce que bah, ça va être full splash, full grosse carte, full tornade et tout. Mais on va bien voir ce qu'on peut faire. Hop. En tout cas, là, on a un bon petit clone qui va partir. Peut-être un méga chevalier aussi. Non, une Valkyrie. La petite vache Kiri qui va sur one shot. Oh, le sorcier très très mal positionné. Level 8. Ah ouais, mais il a le pass. Ouais. Je me disais bien qu'est-ce qu'il foutait là en level 8. Il a le pass royal. Et du coup, on peut se permettre. Ah ouais, il a un Iwiz aussi. C'est abusé ça. On va pas se permettre de 3 couronnes. On va se calmer un petit peu. Là il met beaucoup d'élixir hein, pour défendre le bûcheron. Il aurait pas dû mettre autant. On va partir hop, tranquillement. Même s'il met un méga chevalier de l'autre côté. Voilà, c'est pas trop grave. Honnêtement, je me fais pas trop de soucis. On va essayer même de kite peut-être ce dragon de l'enfer. Mettre la petite armée de squelette une fois que ça a connecté. On refait partir une sorcière à la nuit bien bien loin. Voilà, pour vraiment dispatcher les troupes. Éviter les effets de zone au maximum. Et continuer à poser notre élixir, ne pas rester à 10. Vous voyez, hein. En fait, cette sorcière la nuit, elle va pas être défendable tout de suite, mais elle va quand même aider à l'attaque. Elle va envoyer des petites vagues de chauves-souris pour aider
les troupes de devant. Et c'est exactement pour ça que je me fais un squelette et pas des chauves-souris, parce que vous n'en avez pas besoin en fait. Tout simplement, vous voyez, une fois que vous êtes installé, ça envoie en balle. Et même s'il y a des sorciers et des sorcières en face, bah, ils font pas long feu, hein, très clairement. Ok, dernier 3 couronnes. Là, on attaque la vraie partie. On a quoi? C'est un coffre épique. Bon, ça fait toujours de la petite poussière d'étoile, hein, ça fait plaisir. Et non, non, toujours pas le pass. J'ai, voilà, hop, ma participation gratuite. Hop, on est parti. Directement, j'ai toujours pas le golem. Non, ça c'est du troll. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est vrai que c'est à ce point là. Oh, ah oui, j'avais oublié carrément. Oh, j'avais tellement oublié, c'est tellement rapide. Waouh, 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 waouh. Merde, 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 c'est trop rapide, c'est trop rapide, les gars, je peux pas suivre. Ah, il me faut plus, il me faut plus, honnêtement, là, je... Ça va être trop dur, hein. Ça va être tellement dur. Je sais pas si je peux... Ok, ça a l'air d'être pas mal à droite, on a des bonnes troupes qui ont été clones. Oh oui, ça fait un très très bon carnage, même. On va repartir de l'autre côté, regardez, hein. Regardez le clone qui arrive, regardez le clone qui arrive. Oh là 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 là, le carnage. Ah, franchement, là on est bien, je pense, hein. Là on est plutôt bien, hein. Je vois mal comment il peut défendre. Regardez, regardez le nombre de troupes. Oh là 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 là, le carnage. Oh. J'ai eu un petit peu peur parce qu'il a, il m'a sorti un géant élec et tout. Je me suis dit, ça peut être chaud. On l'a fumé. La foudre, c'est horrible, hein. Vous oubliez la foudre dans ce mode de jeu. Les sorts qui peuvent être intéressants, c'est les boules de feu. Poison, boule de feu, pourquoi? Parce que vous avez le temps d'en cycler 2 et ça peut pas mal clear. Mais foutre, vous oubliez, hein, carrément. Vous ne me jouez pas ça. Ah, c'est quoi ça encore, cette merde là? Ok, on peut peut-être. Ah ouais, le... ah ouais, donc d'accord, le bûcheron se fait un V1, très bien. Pas de soucis. Tout va bien. Ok. Il vient de jouer sa tornade, sa grosse erreur de sa part. Parce que du coup, moi, ça va me permettre de faire ça. On va quasiment one-shot les artificiers, hein, très très forte. Ouais, je voulais pas activer la tour du roi. Très très fort dans ce mode de jeu aussi. Ça permet de stacker pas mal de troupes. Oh, il faut qu'on parte en double push là. Il faut qu'on mette la pression des deux côtés. Sinon, on va se faire fumer. Voilà, hop. Il a réussi à défendre quand même, hein. Le problème, c'est que j'arrive pas. Ok, on repart en push. Là, il a vraiment tout pour m'embêter puisqu'il a... Il a Arty plus Dragon l'Enfer et ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le coup. En plus je viens de mettre mon bûcheron alors que j'aurais pas dû. Ok, parfait. On a pris ses retours. Oh, c'est terrible. Là faut vraiment rester focus, faire attention. Il y a une armée de squelettes aussi qui traîne à droite, le Mugen Chevalier. Ça, on a fait tomber la première tour. Ça peut nous débloquer pardon, quelque chose peut-être. Ok, le clone maintenant qu'il n'y a plus la tornade. Le sort de rage, attention quand même sur la tour du roi, ça peut aller très très vite. Ah, il faut encore qu'on lâche un clone. Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud parce que le géant squelette, il fait vraiment des bons dégâts. On a une tornade en face qui arrive. Ok, là, le bon clone. À gauche, à gauche, à gauche. Allez, 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 allez. Pousse, 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 pousse. Fais un effort, frérot. Je sais pas si ça passe. Ça passe, ça passe pas. Ça passe pas. Non, 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 non. Il faut que je finisse au flèche chasse. Y a pas le choix. C'est tellement la merde. Vite, le clone. Le clone pour les dégâts de mort. Oh non, oh non, non, non. Il faut que je cycle. Il faut que je cycle à fond mes flèches. Allez, 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 allez. Je vais le finir aux flèches. Je vais le finir aux flèches. Let's go. Les dégâts de mort du fût à squelette qui ont réussi à 3 couronnes. J'ai eu très très peur parce que je savais que si je passais pas en 3 couronnes sur ce push là, ça allait être très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai cyclé les flèches, cyclé, cyclé, cyclé à la fin. Et on a réussi à faire tomber 400 points de vie, mine de rien. Je pense que j'aurais pu peut-être caler un petit un ou deux squelettes un petit peu mieux sur le côté. Ah ouais, ça va vraiment vite, hein. Ah ouais, non, 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 là, ça va pas du tout, hein. J'ai pas du tout la bonne rotation, les gars. Allez. C'est trop lent, c'est trop lent, c'est trop lent, c'est trop lent, c'est trop lent. C'est trop lent, je vais me faire fumer. Il a un poison boule de feu, j'ai pas de gros sort. Il va falloir que je cycle mes filets de chasse en balle. Je peux rien faire. Ma rotation de départ me fait fumer. Ok, 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 ouais, pourquoi pas.
Ah, je peux pas là. Honnêtement, je peux vraiment pas. Sans gros sort, c'est trop compliqué. Hein. Encore, j'aurais eu une bonne rotation, pourquoi pas. Mais là, là, je me fais vraiment chier dessus, là, très clairement. Ok, si par l'opposé, on peut peut-être faire quelque chose là, par contre. Je serai plus rapide, je pense. Très clairement. On peut peut-être kite un petit peu vite fait. Ça peut être intéressant. Oh, mais est-ce qu'on arrivera à 3 couronnes là-dedans, là, là oh, c'est impossible, hein, contre 3 couronnes là-dedans, je pense. Hein. Allez, allez, allez. Ok. Pour l'instant, ça passe tranquillement. Oh, c'est chaud. Oh, regardez ce qui arrive. Hein. Oh, à l'aide. Allez, il faut qu'on arrive à 3 couronnes, mais il y a un zappy. Comment je 3 couronnes s'il y a un zappy qui... Ah ouais, là, il y a un peu beaucoup les refs, là. Vous comprenez pourquoi il faut mettre un gros sort dans ce mode de jeu? Hop, hop, hop. Ah, ça tombe. Ah, ça tombe trop. Il y a trop de troupes. Trop de troupes beaucoup plus construites pour le x7. C'est exactement ce que je vous expliquais. Autant contre tous les types de decks normaux, je vous dis, ça roule. Vous avez bien vu sur les premières games. Autant contre les decks adaptés pour le x7 un petit peu anti-clone et anti-stack de troupes. Bah là on se fait rouler dessus, plus la main de départ hein. Main de départ lui il a pu partir en zappy. Moi j'avais rien du tout dans ma main. C'est regardez hein, je vous remonte la main de départ. On l'a eu le golem en 6 7ème carte hein. Let's go. Le golem en 7ème carte, bah je peux pas jouer hein. Très clairement dans ce genre de mode de jeu ça pardonne pas. C'est pas grave, petite défaite. C'est des choses qui arrivent. Parce que si on a le golem, voilà. Bam. Ah, ça va être un peu mieux tout de suite. Je me sens déjà mieux. Je sais pas vous les gars mais... Oh là là, l'arty. Ok. Alors ce qu'on va faire c'est ça. Et on va attendre avant de flèche qu'ils mettent une deuxième arty pour faire un petit peu de val... Voilà. Toujours se méfier. Hop. Et là normalement ça devrait passer. Là pour le coup je pense qu'on a fait une bonne ouverture. Si je dis pas de bêtises. Vous voyez la différence quand j'ai une bonne main de départ ou pas? J'ai réussi à m'installer direct et là ça a 3 couronnes. Merde, oula j'ai un petit peu raté. Déjà il a rien, il a pas 36 sorts pour gérer mon clone. Oh là 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 là, le carnage encore. Oh là 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 là. Le carnage. On a pu installer un push golem. Vous voyez que j'avais peur un petit peu. Et honnêtement même s'il avait une tornade, même s'il avait un poison, vous avez remarqué j'ai fait, en fait j'ai fait une rotation complète. Donc un golem, une sorcière de la nuit, un baby dragon, un bûcheron. J'ai mis un clone, mais pas plus. Je me suis pas amusé à mettre 45 d'élixirs du même côté. Et après, j'ai préparé exactement le même push à gauche. Et ce qui fait que dans tous les cas, même s'il avait un sort ou des troupes qui tapaient en zone, et bah dans tous les cas, je passais de l'autre côté. Et c'était GG. Donc voilà, j'avais vraiment une bonne rotation de départ pour le coup. Et là, faut vraiment poser. Hein. Faut pas attendre des... Enfin, en fait, c'est ça, on prend des mauvais réflexes en game normal, parce que là en fait ça va tellement vite. Et voilà c'est ce que je vous expliquais en fait. Hop, regardez j'ai mis une rotation complète, une carte de chaque. Et bam, il va tornade. Il met tout à droite. Mais regardez, ça passe quand même. Et là là c'est les problèmes pour lui hein. Là c'est les gros problèmes. Voilà c'est vraiment ça. C'est exactement comme ça qu'il faut jouer. Et du coup vous allez voir, il va avoir une tornade de retard à chaque fois. Là il vient de jouer la tornade à gauche, il en a déjà besoin à droite. Là il peut la rejouer à droite et je peux redéjà lui remettre une tornade à gauche. Et vous voyez que en 40 secondes, on fait tomber la tour et on lui... Non, j'allais dire une dinguerie. Et on lui roule dessus. 3 couronnes en moins de 40 secondes. Même pas en 30 secondes, je crois. Je sais plus exactement. On va récupérer la petite légendaire. Et voilà. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à tester le deck. Faites attention quand même. C'est pas si simple à jouer contre ce genre de deck, contre celui-là et celui-là. Mais vous voyez que c'est faisable. Je vous laisse copier le deck, me faire vos retours dans les commentaires. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vérifiez bien que vous êtes abonné à la chaîne. Apparemment, il y a quelques abonnés qui se font désabonner par YouTube. Donc vérifiez bien que vous êtes abonné, que vous avez la cloche pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et nous, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. C'était Lemonty. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.